Alors, voici un homme qui n'a pas eu peur de dire « J'aime les conservateurs » au risque de se faire insulter quand il se promène sur le plateau Mont-Royal. Éric Duhaime, bonjour. Bonjour, Richard. Alors, ça a l'air que ce serait aujourd'hui que M. François Legault se pointe au directeur général des élections pour enregistrer son parti. Mais... Donc... Oui. Pendant que tu étais en onde, je ne sais pas si on peut se fier au tweet de Robert Plouffe de TVA Nouvelles, mais si on s'y fie, ça serait déjà fait. Il semble que dans les dernières minutes, là, c'était tout chaud, là, ça vient d'apparaître sur Twitter. Il aurait fait officiellement sa demande au directeur général des élections ce matin pour la reconnaissance d'un parti officiel. Donc, un nouveau parti politique est probablement né ce matin au Québec, le parti de François Legault, que personne n'avait vu venir. Tout le monde est surpris ce matin. On s'en sort de nulle part. Ils ont gardé le secret longtemps. José, qui est notre chef de pupitre, est arrivé avec une très bonne ligne ce matin. Elle disait que c'est un accouchement au forceps. Là. Vraiment, là. Parce que ça a pris du temps quand même. Par césarienne, qu'elle disait. Accouchement par césarienne. Je me demande si tout ce qui se passe présentement avec l'espèce d'engouement qu'il y a autour de Gilles Duceppe n'a pas provoqué un peu l'accouchement, pour reprendre l'image de ce matin. Il a crevé ses os assez rapidement. Je pense que ça a crevé ses os en fin de semaine quand il a vu le sondage Léger Marketing. Et là, ce matin, ça accouche, certains diront, enfin. Mais François Legault, on ne sait pas trop qu'est-ce que l'avenir lui réserve parce que effectivement, ça fait des mois et des mois que sa coalition sur l'avenir, pour l'avenir du Québec trône en tête dans les sondages. On avait l'impression qu'il surfait sur cette vague-là. Il ne voulait pas se mouiller et ça y a profité pendant tout l'été, un peu comme la cigale. Et là, de l'automne et les temps froids qui s'en viennent, et là, on a l'impression que la cigale est en train de déchanter et être veille d'aller cogner famine. On dirait que l'appui à M. Legault se ramollit. Oui. Ça se peut-tu? Et ça se ramollit. Pourquoi ça? C'est-tu de sa faute parce qu'il a attendu trop longtemps? Il a niaisé? Il a changé d'idée? C'est quoi? Je pense que d'abord, il a fait languir les Québécois. Faut pas se le cacher. Hein. Ça fait des mois qu'on le sait, là, puis qu'il joue au striptease, puis qu'il enlève un petit morceau, puis un petit site, un petit morceau-là. Il monte sa bedaine une journée, sa cuisse le lendemain. Ça, c'est sûr que ça l'a agacé certaines personnes. Ouais. Il a fait quelques erreurs fondamentales, je pense. Je pense qu'il en a fait trois ou quatre. Christian Dufour en notait trois récemment dans ses chroniques. La première, je pense que c'est évident, c'est d'avoir dit qu'il se considérait de la gauche efficace. Il ne l'a plus jamais répété, mais c'était une gaffe majeure. La deuxième, la plus récente, c'est quand il est allé dire, là, il est allé parler d'abolition des cégeps. Je pense que ça aussi, ça ne lui a pas profité. Toute l'espèce de problématique qu'il y a eu autour de est-ce qu'il est souverainiste, est-ce qu'il n'est pas souverainiste, est-ce que la coalition sera souverainiste, est-ce qu'elle n'est pas souverainiste, ça aussi, ça n'a pas été propice à l'aider beaucoup, parce qu'on a de la difficulté, après tous ces mois de striptease, à définir qui est François Legault. Est-ce qu'il est à gauche? Est-ce qu'il est à droite? Est-ce qu'il est souverainiste? Est-ce qu'il est fédéraliste? C'est mystère et boule de gomme ce matin. Et ça, c'est un grave problème. J'espère que maintenant qu'il est un parti politique, il va pouvoir mettre les choses au clair et pouvoir dire enfin qui il est, parce que depuis c'est bizarre, des semaines, ça, on n'a aucune idée. Éric, l'ADQ était ni un ni l'autre et son contraire. Sur la question constitutionnelle. Mais on ne l'a jamais reproché à l'ADQ. Oui, mais attends, il y a une grosse différence. On n'a jamais reproché ça à l'ADQ alors que l'autre... Non, l'ADQ était clairement un parti de droite. S'il y a un créneau que l'ADQ a occupé dans le paysage politique depuis 20 ans, c'est celui-là. Ils sont-tu fédéralistes ou souverainistes? Oui, l'ADQ s'est dit autonomiste. Ça a pris du temps, effectivement, avec l'ADQ accouche de ça. Puis le jour où il a accouché de ça, c'est à partir de là où l'ADQ a commencé à monter dans les sondages, si vous vous souvenez bien. Et l'autre problème, c'est que l'ADQ, elle avait un noyau dur. Elle avait 15 % des électeurs qui se disent qui sont de droite ou de centre-droite au Québec. Des gens qui veulent moins d'intervention de l'État, il y a un noyau dur. Et l'ADQ, elle avait cette base-là. François Legault, en étant gauche efficace, une journée droite, centre-droite le lendemain, fédéraliste, souverainiste, je pense que sa base, présentement, est de zéro. Donc, tout est à construire et tout est à définir. Et en fin de semaine, on a vu le sondage, on a vu que Gilles Duceppe montait comme une fusée. Et moi, je pense que ça témoigne beaucoup plus du fait que François Legault n'est pas capable de consolider les gens qui ont une sympathie naturelle envers lui, présentement, bien plus que témoigner de la sympathie envers Gilles Duceppe. On a vu ce qui est arrivé le 2 mai dernier. Là, les Québécois, ils n'avaient aucune sympathie pour Gilles Duceppe. Éric, j'aimerais dire, spécifier, ils ont déposé les documents au DGE. Le parti n'est pas formellement constitué, non, mais les documents sont déposés. La demande est faite officiellement. Je suis allé cette semaine à la radio et je parlais de François Legault, puis je disais un parti de droite, puis là l'animateur m'a dit « Ah ouais? Moi, je trouve qu'il est plutôt de gauche. Mais tu oui. vois, on s'entend pas. » Non, c'est ça, ça qui est le problème. Là. C'est l'ambiguïté. Et cette ambiguïté-là, elle continue à flotter. François Legault, on le sait, il a passé les dernières semaines à faire une tournée importante du Québec. Il est allé dans pratiquement toutes les régions. Et il a parlé à beaucoup de gens, mais son discours a été très confus. Parce que, par exemple...
qu'est-ce qu'il pense sur plus ou moins d'intervention de l'État? Il n'est pas capable de nous le dire. Il dit mieux, mais mieux, ça ne veut rien dire. Quand il dit le changement, ça s'incarne comment le changement dans le Québec de François Legault? On n'a pas l'impression que cette vision-là, elle est très claire. Présentement, c'est plus des slogans, puis deux, trois mots garrochés à gauche et à droite. Pourquoi, Éric? Il veut se garder toutes les portes ouvertes? Il veut plaire à tout le monde. Il veut faire la même erreur que tous les politiciens font. Ils veulent embrasser 100% de l'électorat au lieu de cibler ceux et celles qui ont plus de chances de voter pour eux. Et ça, c'est un gros, gros problème. Alors, Stephen Harper, là, il a été élu premier ministre du Canada, c'est pas en essayant d'embrasser tout le monde. Il a choisi exactement les électeurs qui avaient besoin de se faire élire et ça a fonctionné. Jean Charest, il fait exactement la même chose. Regardez-le aller, là. Jean Charest, il sait exactement à qui il parle. Il a ses propres clientèles libérales. Il est très fidèle à ces gens-là, même des fois à son propre péril, mais il est quand même, il parle à son monde. François Legault, il est un peu comme Mario Dumont. Je l'ai vécu avec Mario Dumont en 2002-2003. On a essayé de plaire à tout le monde au Québec et on s'est ramassé avec les résultats désastreux, alors qu'en 2007, on a fait exactement le contraire. On a ramené ça aux gens, aux familles à qui on s'adressait. Mais ça, écoute, c'est un manque d'instinct politique primaire, ça. Bien, écoute, il n'est pas trop tard. Là. Il commence aujourd'hui. Là. Il peut renverser la vapeur. Et là, il y a eu un sondage. Le sondage, en fin de semaine, je vais y revenir parce qu'il est important. Okay. Un sondage qui met le du CEP en avant, qui t'a fait un peu paniquer puis qui t'a fait penser que les Québécois étaient sur des substances illicites. Mais ce sondage-là met du CEP loin en avant, plus de 10 points en avant de François Legault. Et là, on voit, et ce matin, Jean-Marc Léger le souligne bien, Legault a maintenant besoin de l'ADQ parce qu'il a snobé l'ADQ depuis le début de son affaire. Hein. Il a dit oui, peut-être, puis il a repoussé ça en avant. Sauf que là, aujourd'hui, on voit qu'il y a besoin des votes de l'ADQ, il y a besoin de la région de Québec parce que l'ADQ continue à maintenir son château fort. Le village gaulois de Québec continue à être à droite dans les sondages et il a besoin de ces appuis-là. Et là, tout à coup, je vous dirais que la tendance est en train de se renverser au niveau des besoins pour d'une fusion avec ce groupe-là. Et je sais que des pourparlers ont lieu présentement. Oui, mais pour aller les chercher, il va falloir qu'ils soient un peu plus, tu sais, une personnalité un peu plus déterminée et ferme. Là, mais oui, il va falloir que... Dans le flou, là. Et présentement, la principale pierre d'achoppement, je vous dirais, avec l'ADQ, c'est évidemment le privé en santé. L'ADQ en a fait sa marque de commerce depuis 10-15 ans. C'est une chose qui n'est pas négociable pour une très grande majorité d'ADQistes. Et avant que, même si le caucus, même si le chef voulait une fusion, l'ADQ va être obligé d'en appeler ultimement à ses membres, parce que c'est un parti qui est quand même là depuis 20 ans. Il y a des membres qui ont droit de regard sur ça. Et les membres, je suis loin d'être convaincu qu'ils vont embarquer dans le bateau Legault si Legault continue à dire qu'il est contre le privé en santé. Et Legault est pris entre l'arbre et l'écorce sur cet enjeu-là parce qu'il se fait conseiller, dit-on, c'est un secret de polichinelle, par Gaétan Barrette, le président de la Fédération des médecins spécialistes du Québec, et qui, lui, a déjà été en faveur du projet de loi qui était pour la privatisation, le privé en santé de l'ADQ, mais qui, on dit, depuis ce temps-là, a changé d'idée. Et il pousse très fort pour que Legault résiste à l'appel au chant des sirènes ADQistes. Mais Éric, diriger, gouverner, c'est choisir, disait De Gaulle. Ouais. Si t'es pas capable de trancher alors que t'es même pas encore constitué en parti politique, imagine-toi être à la tête d'une province. Ah, c'est il va sûr. Essayer de faire des compromis avec tout le monde. Ça donnera strictement rien. On est écœurés de ça. Merci beaucoup, Éric Duhem. Mais hey, tu me parles pas de ma moustache de Movember? T'as-tu commencé? T'es-tu rasé ce matin, toi? Moi, je peux pas animer avec une moustache. C'est pas si qu'ils vont me laisser animer un show. Puis moi, je peux commenter à tous les jours avec une moustache. Ben, tu fous, tu me vois avec une moustache. Je sais pas. Tu t'es pas rasé ce matin? Non, je me suis pas rasé ce matin. Laisse-moi penser à ça. OK, c'est bon. Merci. Merci.